pour moi, cet atelier sur les solutions fondées pour la nature, c'est un moment exceptionnel où ce qui s'est appelé dans ces deux jours la communauté des solutions fondées sur la nature a pris le temps de réfléchir à quel est l'état d'avancement de nos connaissances et quels sont les défis stratégiques auxquels on est confrontés. Et pour moi, le défi stratégique, c'est qu'il faut à la fois prendre le temps d'expérimenter, de mieux connaître, de se poser des questions sur la performance réelle de ces solutions fondées sur la nature pour la biodiversité et pour l'adaptation, tout en ayant besoin de convaincre très vite, parce qu'en face de cette communauté des solutions fondées sur la nature, il y a des banques de développement qui ont besoin de décaisser très vite pour financer des grosses infrastructures, et ça ne sera pas nos solutions fondées sur la nature. Il y a des besoins très, très forts d'artificialisation avec lesquels il va être difficile de se combiner. Et donc, il faut à la fois qu'on prenne le temps de se convaincre, d'embarquer les acteurs avec nous, et en même temps, il faut qu'on soit capable de convaincre à l'extérieur de manière très forte. Donc, ce qu'on va pouvoir évaluer sur la performance et démontrer qu'on est performant en faisant des solutions fondées sur la nature, ça va être très stratégique. On n'a pas beaucoup de temps et en même temps, il faut prendre le temps. C'est cette tension-là qui me semble majeure et sur laquelle un institut comme l'IDRI où je travaille doit aider à fournir ses solutions et l'argumentaire pour qu'on aille vite sur la capacité à convaincre tout en étant rigoureux dans la manière dont on expérimente.